Et yo les gens, on est de retour sur The Last of Us, partie 2. Donc on y va, on était avec Ellie, on allait direction du deuxième poste de garde. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Hey! Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chicha! J'imagine que le bang, c'est celui d'Eugène. C'est le mien. Il me l'a donné. T'en as sur toi? Oh, j'aimerais bien. C'était toujours Eugène qui m'enfilait. Ok. Bon, ça n'avait pas d'utilité. Alors, utilisez des pièces de récupération pour améliorer vos armes sur un établi. Ah, intéressant ça. Très intéressant. Voilà, il ne faut pas vous hésiter à vous abonner à la Question. chaîne, tout ça. Hein, Tu portais pas déjà si ça vous les plaît. boules hier? Elles Hop, sont propres. je suis tombé. Je juge pas. J'ai fait de la merde. C'est une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. Attends. T'es quand même canon. Tu fais quoi? Tu descends la Merci. boule là? Ouais, elle descend. Ok. Ok, alors, hop, on récupère les chevaux. En tout cas, pour l'instant, c'est tranquille. Jusque-là, on n'a pas eu de soucis avec quoi que ce soit. C'est plutôt agréable. C'est stylé. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC? Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Toi? Jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Oh, tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, hey, je porte des bottes, là. Tu sais comment tu vas mourir? Bon, oh, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer? Ah, est-ce que ça se passerait pas comme ça non. un jour? Peut-être. Ta gueule. Voilà, oh, désolé. Violence. Profite, hein, je regarde un peu les alentours quand même. Hey, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Alors, si on peut, on s'arrête et on regarde. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des choses intéressantes à voir. Ok, des matériaux d'amélioration. Qu'est-ce que tu sais sur cet endroit? C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les stimulants vous permettent d'apprendre de nouvelles les capacités. Infectés arrivent Ah, quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on l'échappe sur le périmètre extérieur. Ok, bon, pour l'instant, Elle est on peut cool, rien cette faire. Caravane. Une vraie petite maison portable. Cool. Tu crois que les gens voyageaient vraiment là-dedans? Tu le ferais pas, toi? Si j'avais vécu avant l'épidémie, carrément. J'aurais fait le tour du pays. Ou même partir à l'étranger. Un jour, peut-être. Alors, est-ce qu'on peut aller dans ces petites maisons-là? Ce serait pas mal. Non, on peut pas y aller. Jessie parlait beaucoup du Canada. Il voulait voir des espèces de chutes d'eau géantes. Ah ouais? Je croyais qu'il était amoureux de Jackson. Chacun ses rêves. Est-ce qu'on peut aller là-haut? Non. Je pensais faire une soirée film avec Joël. Oh. Et ça va, vous deux? Ouais. Ah. Vous allez regarder quoi comme film? Il aime quoi, Joël? Pas aller là-haut. Curtis et Viper 2. Ça fait un moment que je veux le regarder, celui-là. Ah, ok. On se regardait souvent des films d'action des années 80. Il est complètement fan. Ah, non. Plutôt pas mal en fait. Et toi alors? Ok, bon, ça a l'air d'être bon. Avec les autres, on parlait de faire le mur. Pour faire de la luge. Ça a l'air marrant. Ok, bon, je pense qu'il y avait que ça à fouiller. Moi, je vais peut-être rater des choses, mais c'est pas grave. Il fait encore plus froid.
on s'arrête. Vas-y, ça passe là. Oh, merde. Doucement. C'est pas bon signe ça. Craignez-vous, mon dieu! C'est des infectés qui ont fait ça. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan? C'est un élan, oui. Pas qu'un seul. C'est pas faux. Ils sont où, putain? Allons les trouver. Ok, équiper une arme longue. D'accord, et on peut viser comme ça. Ok, très bien. Appuyez sur R1 pour changer d'arme rapidement. Tac. Ok, cool. Et on reste appuyé pour écouter, bien évidemment. Ok. Bon, évidemment, l'objectif, ça va être... Merde. Discrétion. Il y en a à l'intérieur. Ouais. Comment ils ont fait pour rentrer? Et surtout, comment on fait pour rentrer? Dina, par ici. Faire le tour pour rentrer par l'arrière du supermarché. Bonne idée. Je regarde un petit peu quand même si ça ne met pas des objets invisibles. Alors. Ah, on peut aller. Soit on passe par là. On passe par là. Je vais tenter de passer par là. De lancer un pic. Oh oui. Attaque éclair. Ok. Les attaques éclair infligent des dégâts considérables aux ennemis étourdis. D'accord. Je l'ai lancé au fait. Merci. La porte par où on est entré était bloquée. Comment il a fait pour rentrer le coureur? Ouais, c'est une bonne question ça. C'est une très bonne question. Ton record d'infectés tués pendant une patrouille. Ça doit être celle que j'ai faite avec Joël il y a environ un an. Il y en avait peut-être une douzaine. Et toi? J'en ai buté à peu près 20 une fois. Il y avait un groupe de passage. Par où on passe? Putain. Peut-être qu'on va battre ton record aujourd'hui. Ah, par là, ok. Oh putain, redescends. D'autres coureurs. On fait pas de bruit. Qu'est-ce que ça donne? Élimination furtive. Ok, donc l'autre elle sert quand même, elle fait aussi les éliminations. Très bien. Par contre, je sens clairement qu'elle va crever. On va éliminer celui-là aussi, là. Voilà, nickel. De toute façon, ça va être furtivité, hein, ce jeu. Furtivité, furtivité, furtivité au maximum. Après, il est où l'autre? Il est tout là-bas. Ok. Yes, qu'il y a une brique. Très bien. Et il y en a qu'un. Attends, on va pas gâcher la brique bêtement. Il vient de quel côté? Merde, il vient de mon côté, fichier.
viens par là, ma poule, viens par là. Ah non, ok, c'est bon, il a tourné. On va d'abord venir l'éliminer, on fera le tour des... Merde. Et je l'avais pas vu, sûr. C'est pas grave, là on va pouvoir l'éliminer tranquillement. Est-ce qu'elle élimine l'autre là? Ouais, parfait, très bien. Ok. J'aime bien cette petite... atmosphère pesante. Il n'y en a pas d'autres? Non. Ça n'a pas l'air d'être là. Je crois que c'est bon. Ok. Faut encore qu'on s'occupe de ceux dans le supermarché. Oui, on va faire le tour. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. T'inquiète pas. D'abord, on check quand même les alentours. Tout ce qu'on peut récupérer, on va le récupérer, bah tiens, tu vois, c'est bon. Ça c'est récupéré, ça fait plaisir. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Là ici derrière y a rien. Ellie, aide-moi à monter. Je vais jeter un coup d'œil. Ok. Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Là. Très bien. Merci. Là, tu vois? Bon, on n'a plus qu'à trouver comment y aller. Clairement. Alors, par contre, là-bas, il n'y avait rien non plus. Ok, alors hop, on y va, on descend par là, et on voit ce qui se passe. Putain, ça m'a fait peur. Dina. Oh, rien, mais ça m'a fait peur. Là-dessous. Putain, j'en étais sûr, ça, l'arnaque. Merde, carré. Oh, GG. Ellie, qu'est-ce que ça va? Ouais. Juste un peu secoué. T'as intérêt à mourir de vieillesse et pas en te faisant infecter. Je veux pas être obligé de te tirer une balle dans la tête. Ok. Super. Non, c'est bon, y'a rien derrière. Ok, très bien. Alors, par contre, ouais, c'est ça. J'ai pas de kit de soins, d'accord. J'essaie d'écouter voir s'il n'y avait pas des ennemis. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, lire, madame, je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. Je ne voulais pas vous faire de mal. Je voulais rien d'autre que médicaments. Votre mari m'a attaqué. J'avais pas le choix. Ma petite sœur sent plus ses jambes. J'avais besoin d'insuline. Personne veut en donner. J'avais pas le choix. J'espère qu'il survivra. Je vous demande pardon. Très bien. Rangeons la lettre, on ne sait jamais. Tout ça c'est bon à récupérer. Ah non, je peux pas. Bah, tu te fous de ma gueule. Je sais pas à qui faut aller. Non, bah attends. Tu vois un moyen d'atteindre le toit? Ah, attends. Pas sûr. Est-ce qu'ici y a pas un truc là? Déjà, il y a ça. Ok, alors, comment on peut accéder au toit? Réfléchissons. Bah, on monte sur la palette et on monte sur le truc. Arrête, vas-y, tu fais pas d'effort aussi. Voilà, très bien. Par là. En tout cas, j'aime bien, si vous écoutez,
Y a pas de bande son, y a rien, c'est silencieux. Vous avez le son de la nature, le son des personnages. C'est fabuleux. Je check quand même hein, avant de éventuellement venir me faire baiser. Ça m'a l'air d'être bon. J'ai tué. Moi aussi. Il y a peut-être du matos. Il reste des balles. Des balles, ça fait toujours plaisir. Et là, je suppose qu'il faut qu'on pousse ceci. Non. Bon, arrête. Tu veux que j'aille où après? Ça veut dire moi ça là. Là j'ai fait le tour après. Hein. Merde, je comprends pas. Clairement, je peux pas aller là-haut. Puis de toute façon, ça ne tiendrait pas. Hein. Ah. Ça que j'ai raté, visiblement. C'est quoi ça? C'est de l'alcool? Eh, hey, j'ai trouvé de l'alcool. D'accord, ok. Voilà. Et moi du tissu. Tiens, arrange-toi un peu. Ok, kit médical, confection, appuyez sur ta tête pour... Oh, ok, nickel. Je confectionne directement. Et là, on reste appuyé. Ok. Équiper le kit médical, c'est bon. R2, maintenir pour se soigner. Très bien. Et voilà, donc ça, on pouvait le pousser. Il y a des spores. Il faut les masques. Ok. Ah, merde. Ah, les spores, je suppose que c'est des ennemis à gaz. Oublie pas. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Ah, c'est mignon. Tous ces spores, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. Fais gaffe, les infectés seront plus dangereux. Oui. D'accord, les infectés seront plus dangereux du coup. Ça fait partie du supermarché? Je sais pas. Je crois qu'on est au-dessus. Dis-moi, Green Place Market. Faut qu'on aille au rez-de-chaussée. Essayer de jouer safe. Hein. Évidemment, objectif, pas de mort inutile, pas de mort bête. Un petit document. Alors, hé hey, Christian, je t'ai laissé la meilleure cam dans le coffre. Le code, c'est la date à laquelle mon chien est devenu employé du mois. Et t'as pas intérêt à la refourguer, c'est pour ton dos. C'est pour ton dos, ok, prends soin de toi, mine. D'accord, c'est... La date à laquelle son chien est devenu employé du mois. Alors, il est devenu employé du mois quand? Parce que là, on a pu voir le truc employé du mois. 2013. Ah bah non, attends. Non, je suis con, c'est le chien. Donc le chien, c'est... C'est Jules. C'est Jules 2013. Allez hop, c'est vendu, c'est Jules. Alors... Jules 2013. Attends. Jules 2013. Alors, Jules, on va arriver. C'est mois de juin. Juin, ok. 2013. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre 2013. Bien 20 13 06. 20 13 06. Attends, tu te fous de ma gueule là. C'est le jour où son chien est devenu employé du mois. Moi, bon, attends. Parce que ça me ferait chier quand même de passer à côté d'un coffre qui pourrait être extraordinaire. Donc, 2013. Jules 2013. Juin. Ah non, c'est juillet. Ah merde.
C'est 07. Putain, je suis con. C'est pour ça. C'est pour ça. Alors, du coup, 07. Tac. 20 et 13. Après, ça peut être 2013-07. Yes! Putain, ça a marché. Ok. Oh putain! Mais on a carrément bien fait de le faire, le coffre, les gars! Vous trouverez parfois des morceaux de composants rassemblés en entier pour confectionner un objet. Ouh, yes! Je regarde un petit peu quand même. Putain, j'ai bien fait de passer par ici, moi. Je vous le dis. Masse de cam. Vous avez 37 stimulants, vous pouvez sur 1-1 accéder au menu amélioration. Ok. Alors. On peut améliorer ce qu'on veut. Mode d'écoute. Augmente votre vitesse de déplacement en mode écoute. Maintenez 1 pour repérer les ennemis proches à travers les murs. Moi, ce que je voudrais, ce serait ça. Amélioration de 25% de la santé. On va économiser pour l'instant. Putain, c'était sûr ça qu'on allait se faire baiser. C'est quoi ça? Merde. Ok, d'accord. J'ai effectivement les claqueurs avec votre grand arrêt. Approchez-vous discrètement. Et appuyez sur triangle pour les saisir. C'est parti. D'accord. Fais un bruit. Poussez légèrement pour vous déplacer discrètement. Ah ouais, t'inquiète. Full discrétion, gars. Élimination furtive. Ok, ça dégage. On en a un. On a un qui est là-bas qui est sur notre droite. Est-ce qu'il y en a un autre sur notre gauche? Non. Donc c'est celui de tout à l'heure. D'accord. Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rapprocher d'ici là. S'il se rapproche, on n'y va pas, bien évidemment. Ok, on attend. On joue safe. Aveugle me donne la chair de poule. Je comprends pas. Viens, on va voir si le reste du bâtiment est dégagé. Ensuite, on se casse de cet endroit. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ok. Je regardais, hein, parce qu'il n'y avait pas d'objet, bien évidemment. Hein? Dina. Je pense qu'il va falloir un petit coup de main. J'arrive. C'est moi ou... Elle a allumé la lumière, là. Non, c'est moi. Clairement pas de lumière qui a été allumée. Alors attention. Je te prépare un cadeau. J'aime les cadeaux.
Ellie. Ok. C'est bien, c'est du bon matos. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, cocktail Molotov, sa mère. Tiens, merci. Alors, le cocktail Molotov met le feu à une zone. Maintenez L2 et R2 pour lancer. Et appuyez sur R2 pour lancer un arc. Ok. Je regarde un peu comment c'est foutu. C'est plutôt bien foutu. Fais okay. Gaffe avec ça. C'est d'artisanal, ça marche. Ouais, t'inquiète, dans toi, on gère. C'est donc, pas fini. Molotov. Confection débloquée. Cool. Il y en a un paquet ici. T'en penses quoi? On commence par les coureurs. Invité. Ouais, on est d'accord. On commence par les coureurs. Ceux-là, on les connaît. Il n'y a pas trop de soucis, normalement. Zone avant de chercher les objets. Donc, un claqueur là-bas, deux claqueurs. Ok, on va passer par ici pour voir s'il y a d'autres coureurs. Il n'y en a pas un là, ce coin là. Non, c'est moi qui arrive. Tant mieux. Donc il y en a un ici, il y en aura un là-bas. On va le laisser venir, on va le laisser venir. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il sera... Ah, attention, il y a d'autres personnes à droite. Alors, très attention. C'est même un coureur, ça. C'est un claqueur là, un coureur là. Ok, d'accord. Fais attention. Mais non. Mais je faisais R2. Merde. Je voulais faire un truc éclair, mais ça a pas marché. Il en reste. J'ai pas l'impression. Non. Ah merde, j'ai pris des dégâts bêtes là. Tu sais quoi? On est impressionnantes. Ouais. Ils vont pas nous croire quand on leur donnera notre score. Allez. Et là, on va au là. Prochain poste de guet. Clairement, il y a un truc. Et on fait là. Une pause. On l'a bien mérité. Ah, attends. D'accord. Ah ouais, non mais parce que moi clairement, moi je vois ça, je le récupère. Ok, ceci. Du coup, hop là, on récupère une bouteille. Il n'y a que quand j'ai une bouteille que je peux faire un petit rapide. Ok, donc la sortie, elle est là. Cependant, je sais que par là-bas, il n'y a strictement rien. Ce n'est peut-être des objets. Là par exemple ici déjà. Ok d'accord, et on pouvait accéder d'ici. Très bien. Bon, ok. Ok, je pense que la zone, elle est clean, elle est propre. C'est impeccable.
Allez, hop, on passe par là. Et là, boum, le piège. Ça bouge pas. Ah bah, c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Bah ouais, vas-y, carrément. Carrément. Alors, on doit pouvoir accéder à... voilà. Je pense qu'on peut... ah, bah non. Je peux pas grimper là-dessus. Ok. Est-ce que ça... ok, ça c'est une chose. Tu vas là, ok, c'est bien. Tu vas là, ok, c'est bien. Mais là, ma cocotte, hein, jamais tu sautes. Hein. Bah ouais. Je réfléchis. Ok, je peux pas monter là. Il y a un câble. Viens m'aider. Ah, GG, sœurette. Je l'avais pas vu le câble. Mais par contre, c'est quoi? C'est Superman ou quoi la meuf? Ça devrait tenir. Donc là, je suppose qu'il faut qu'on le lance par-dessus. Allez, vas-y! Mais ouais. Grave. Carrément de ouf. Et là, hop, on peut monter. Pourquoi c'est elle qui passe en premier? Je préférais que ce soit moi parce que ça fait le piège. Je sens clairement que je vais me faire baiser là. Alors attends. Tac. Non, c'est bon. Non. Maintenez L1 pour grimper à la corde plus vite, ok. Mais quand même, n'empêche, monte à la corde comme ça. C'est pas évident, hein, loin de là. Ok, bon, là, faut surtout pas tomber. Par ici. Ok, allez, go. Hop. Tac. Donc là, il y avait l'élan. La tempête approche, là. On est loin du poste de guet. Sous nos chevaux. C'est juste après la prochaine ville. Je te suis. Ils sont là, putain. Ok, très bien. Je te suis, je passe devant. Ouais. Des formations professionnelles. Hein. Hey, t'es encore loin? Encore quelques minutes. Ok. En plus, là, on voit rien, donc ça peut être. Ouais, c'est. Non. C'est un panneau. Enfin, non, c'est un coup de. Pire en pire! On fait demi-tour! C'est trop tard maintenant! Ouais, on est presque arrivé! Je sais, ma belle! Allez! Regardez ça, on va la perdre de vue! On va la perdre de vue, c'est sûr! Dina, c'est encore loin! C'était sûr ça! Dina! Ouais, de toute façon, on peut la suivre un peu à la trace, même, pour l'instant! Dina! Putain, il n'y a plus les traces! C'est la merde. Non, bah non. Dina, t'es où? Je sais pas où aller, sœur. Je sais pas où aller. Et là, on est clairement pas au mieux. Dina! Soit elle va crever, soit. Ça, on va sûrement se faire attraper. Merde. Il n'y a pas moyen de se repérer sensiblement où on va. Quoi, je suis perdu. Dina! Ellie! Yes. Je te vois! T'es où? Par ici! Attends, elle est par là, alors. Non? Ah! Allez! C'est par là! Où est-ce qu'on va? Fais-moi confiance! Faut que je te fasse confiance, mais pars pas trop devant non plus, quoi! Attends-moi! Oh, c'est dingue ça! Pas à l'intérieur! Allez hop!
Hop, mon cheval. Il reste à l'abri, la pauvre bête. Je m'occupe de la porte. T'es déjà venu ? Je suis passé devant. Sans entrer. Bon, on va s'assurer qu'il n'y a personne. Alors évidemment, on peut être sûr d'une chose, hein. C'est qu'on va croiser du monde, hein. Parce qu'ils te mettent pas comme ça, des bouteilles, tout, que tu peux faire en lancer rapide. Si il n'y a personne, bien évidemment. Attends, c'est quoi ça? Attends, on va pas ouvrir tout de suite. Clairement, on va checker zone par zone. J'aime pas ces grandes baies vitrées là. Ça peut clairement faire rentrer les mecs. Ça fait un bail que personne est venu ici. Ouais, bah on va pas se plaindre. Chier. Faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière. Ok, d'accord. Donc là, on pourra y aller après. Très bien. Donc on va aller ouvrir là, ici. Quelqu'un a tout verrouillé. Il y a un truc au fond. Je crois qu'il y a un lit. Tu penses que c'est un squatter? Tu vois un moyen d'entrer? Alors attends. Donc un moyen d'entrer. Moi je veux bien. Pour briser une vitre. Utiliser. Ah bah d'accord. Ok, ça marche. Récupérer une bouteille, voilà, merci beaucoup. Très bien, donc je pense qu'on va croiser. Je pense qu'on va croiser les premiers humains hostiles à notre rencontre. Tous ces trucs électroniques, c'est forcément halogène. T'es sûr? Ouais, personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Mais pourquoi il me l'a pas dit? Parce que peut-être que c'était pas lui, hein. Ah, Eugène Lendon, ouais, 0... c'est bien la planque d'Eugène. 00314. Il faisait partie des Lucioles? Ouais, avec Tommy. Ok. Je savais pas. 3 x ouais. 0314. Ils ont fait des trucs assez moches. Du genre? Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Comment ça? Une nouvelle entrée dans le journal. Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. Dina m'a demandé si je souhaitais l'OVL, elle m'a touché le bras, hein, je me fais trop de films, arrête de déconner. Qu'elle soit de dingue, je suis à la fois terrorisé, heureuse et stressée, j'irai plus clair demain. Est-ce que Jane est en contact avec les autres Lucioles? Est-ce qu'il sait pour Joël et moi? Non, il en aurait parlé. D'accord, ok, donc il avait fait des petits dessins comme ça, prend des prises de notes sur son carnet. Ok. Donc je vais aller checker par là déjà. Qu'est-ce que c'est que ça là? Carte à collectionner, Laurent Foucault, PDG de Spark. Laurent Foucault, PDG de Spark. Oh ouais. 100 en Brains et 20 en Brawn. Je sais pas ce que c'est. Affiliation Spark. Ok. Ah voilà. Intelligence 100, force 20. Bah non, ils auraient dû mettre Strength. Alors, né avec un esprit brillant et de nombreux handicaps physiques, Laurent Foucault passe son enfant dans les hôpitaux, diplômé de médecine à l'âge de 15 ans, il développe un remède à sa maladie génétique. Le brevet Laurent instantanément multimillionnaire, quelques années plus tard, les millions se transforment en milliards. Ils permettent de fonder l'empire technoscientifique Spark afin de poursuivre librement sa quête insatiable de savoir et de progrès. Selon la rumeur, Spark aurait développé un moyen de conférer à des nouveau-nés des super-pouvoirs, mais Foucault nie ces allégations ridicules. Ok. D'accord. Très bien. Hop.
avec toutes les BD. Ah, c'est sympa comme endroit, sympa. C'est bien pensé, un bon petit clin d'œil. Clairement, tout ce qui est Marvel, hein, évidemment. Ok, clairement un squatter. Oh! La PS3! Avec y a quoi? Alors, il y a du Jack and Dexter, il y a du Uncharted 2. Bon, une canette de coke et je sais pas ce qu'il y a en dessous. Oh, ça aurait été marrant s'ils avaient mis le premier The Last of Us. Ah, oh, ça aurait été fun. Oh, j'aurais kiffé. Ah, bah, en tout cas, c'est sympa, un petit clin d'œil comme ça. Parce qu'évidemment, The Last of Us qui était sorti sur PS3 à l'origine. Ah non, j'aime beaucoup, c'est sympa, c'est cool. Ah, ça va être ça un établi alors. Peut-être pas. Alors. Ok, rien de particulier sur cette photo. Si on zoome. Non, rien de particulier, ok. On garde tout ça bien évidemment très précieusement. Ok, une petite note d'Eugène. Je t'en supplie, oh, Eugène, je t'en supplie, rentre à la maison. Si les Lucioles veulent sauver le monde, eh bien laisse-les faire, J'ai laisse-les quitté sa famille s'attaquer. pour rejoindre les Lucioles. C'est triste. D'accord. Eugène. D'accord. Ok, bon voilà, on sait maintenant qui c'est Eugène. La lumière, les radiateurs. Il doit forcément y avoir un générateur. Hé, j'ai trouvé Mais un il est là. générateur. Attends, non. Ok. Bon, je préfère ça. par contre, ça fait énormément de bruit, hein. Il est pas mal, ton établi, Eugène. Eh, ben voilà l'établi. J'ai pas J'en besoin de parlais. modifier ton arme avec ça. Ah, oh, cool. Alors, stabilité. Cadence de tir, recul, capacité. Là ici, stabilité pardon, et capacité. D'accord. De toute façon, je pense qu'on va pas avoir 50 armes dans le jeu. Donc ici, qu'est-ce qu'on améliore? Cadence de tir. Remplacer le ressort du chien pour augmenter la cadence de tir. Plus 45% de cadence de tir. Ouais. 35% de stabilité. Plus 25% de précision. Moins 35% de recul. Ah ouais, donc ça c'est plutôt pas mal. Confectionner un magasin de la plus grande capacité, capacité du magasin à plus 4. Non, je pense qu'en vrai, le recul de l'arme, je pense que c'est intéressant. Ok, trophée obtenu, bricoleuse, c'est très bien. Ça, c'est cool. Ouais, ça va le faire. Donc là, on peut plus en C'est du améliorer beau pour boulot. l'instant. Ouais, non, mais regardez ça. Il a de la gueule, il a marqué quoi sur le flingue? Nicotera. Ok, très bien. Le reste, on va économiser pour l'instant. Très bien. Alors. On ressort. Où toi? Ellie, regarde par terre. Il y a d'autres trucs en bas. Oh Tu vois un moyen de descendre? J'avoue. Pas le plancher. Pas ici. Ok, donc là au moins on est sûr d'une chose. C'est qu'ici c'est safe. Et bah tiens. Tac. Et là maintenant, à partir de là, on sait plus si c'est Aide-moi. safe ou non. Ah, je pense, hein, en vrai. Qu'est-ce qu'il cachait en bas? C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. Pas faire l'écoute, ok. J'hallucine. C'est de la weed. Ça fait beaucoup de weed séchée. Ça explique pas mal de choses. D'accord, ok. Ok, une cassette VHS. Il a des cassettes vidéo. La
que du loup. Smash, brandy, scooch. C'est... du porno. Je n'avais des goûts spéciaux. Ah, clairement. Bon, pour les cassettes VHS, il faut avoir l'écran et le magnétoscope. Maria pèterait un câble si elle voyait cet endroit. Comment il a récupéré tout ça? Ça a dû lui prendre des lustres. Il aurait dû m'en parler. J'aurais pu l'aider. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, masque à gaz. Ah, non. Dina. Masque à chicha. C'est un bang masque à gaz. Il était vraiment pas con. Enfin, il était pas con, ça sert un peu à rien quand même. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ah, oh, des joints. Intéressant. Tu crois qu'elle est bonne? Ça périme, la weed? On va voir. Un coup de main? Non, c'est bon. Oh, putain. Un coup de main. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Bah, tu vas le casser. Ah, j'avoue. C'est... ouais. Et merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bah, elle l'a ouvert. Quoi? Je l'ai ouvert. Ça sent bon. Tu sais... eh, vas-y, ça se drogue. On va rester coincé un moment. On est pris au piège. Ne faites pas ça chez vous. C'est pas bien. Je peux te poser une question? Vas-y. C'est pas ce que tu viens de faire? Oh, s'il te plaît, de bouffe. Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier. Et 10 étant... à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Pourquoi tu veux revenir là-dessus? T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça. À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser. Allez, ça va se rouler des pelles. Ça va se rouler des pelles. Ah, je vous l'annonce, ça se roule des pelles dans 5 secondes. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6? Oh. 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Bah, c'est dur quand même. 6. Quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. Allez. Allez. C'est chiant, tu sais. C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Allez, mais c'est bon. Personne t'en empêche. Allez, roulage de galoche, roulage de galoche. Faire mieux que 6. Et roulage de galoche. Voilà, allez, on y va. On va se rouler des pelles, hein. Allez, pas trop loin, allez, pas trop loin. Ah voilà, ok. Ouh, ils ont coupé à temps. Ouh. Pas qu'on a pas envie de voir ça, mais bon, quand même. S'il y a des enfants qui regardent, ça peut être dangereux. Avoir du sexe comme ça.
Ah, on est de retour avec elle. Ok, et bah écoutez, on sera de retour avec elle, mais dans un prochain épisode. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à mettre un petit like. Et moi, je vous dis à très très vite pour la suite de l'aventure sur The Last of Us, partie 2. Alors qu'on peut voir que tout au fond de l'écran, il y avait sûrement un espèce de corps de mes couilles. Mais ça, on verra ça plus tard. Allez, ciao.